Ce que je cherche, c'est un endroit dégagé avec suffisamment de bois mort pour alimenter un feu d'une bonne durée. Je vais continuer. On dirait que il y a un espace là-bas. C'est beau. J'ai oublié mes bâtons. Avec la quantité de neige, ça va être difficile. Avancer lentement. Ce que j'avais pris pour un espace dégagé, c'est le lit d'un ruisseau. Il n'y a pas question d'aller camper là. Puis la progression est très difficile à cause de la croûte. On ne peut pas avancer le pied sous la neige. Il faut le soulever pour briser la croûte. Sinon, on reste pris. Bon, on va faire encore un bout. Le chien vient de trouver ça. On dirait de la fourrure de lapin. Fraîchement dépecée. Il est en train de croquer un morceau, s'il me laisse voir. Je pourrais voir les griffes ou les pattes. Un wasabi, c'est quoi ça? Il est en train de manger le crâne au complet. Il y avait un bout d'oreille qui dépassait. Ça a l'air bon, en tout cas. On est sur le chemin du retour. J'ai rien trouvé. La forêt est trop dense. Et les quelques éclaircies, il n'y a vraiment pas de bois mort. Ça, c'est la quantité de neige. Un mètre environ. Donc, avec les couches successives de glace, j'arriverai jamais à dégager jusqu'au sol. J'ai cru avoir trouvé un bel endroit. Et on arrive là-dessus. Des carcasses. Donc, des appâts. Pour des carnivores. C'est pas l'endroit où bivouaquer. Ça, c'est peut-être un des carnivores qui est attiré par les carcasses qui sont dans le bois un peu plus loin. J'ai peut-être trouvé un endroit. Ici, c'est bien à l'abri du vent. Avec la tente de boulanger, ça protège les étincelles d'aller sur les conifères. Il y a beaucoup de branches basses, donc du petit bois. Il y a quelques arbres couchés. Je vais juste aller vérifier si c'est pas le lit du ruisseau. Ça a tout l'air d'être la terre ferme sous la neige. En tendant la tente entre cet arbre-ci et celui-ci, ça me donne une orientation est-ouest. Donc pour le vent, si jamais il y en a, c'est bon. C'est pas trop loin pour traîner les bagages dans le traîneau. Je vais quand même attendre qu'il fasse moins froid. C'est pas comme si j'avais juste aujourd'hui, là, campé à moins 27 le jour. Hein, mon chien? C'est un bon endroit, ça, ici? On est presque arrivé. L'escalier, c'était de trop. J'ai enlevé les raquettes. On continue à pied.
Oh! L'ameublement a changé depuis la dernière fois. Ouais, le bois. La mezzanine. Oh, il y a même des matelas. Wow, le gros luxe. Les chiens sont admis, mais je sais que Wasabi va pas rester à l'intérieur. Il fait trop chaud. Dès que je vais avoir allumé le feu. Le dernier repas. Ouh, ça boue. Légumes déshydratés, viande pré-cuite, un peu de pâte, chocolat chaud. Bon, ça manque d'originalité, mais c'est efficace, c'est rapide. Hier, c'était les raquettes aux pieds, mais les raquettes plus le traîneau. On a bien tapé la piste, puis avec le froid de la nuit, on peut marcher aujourd'hui en crampons. Sur la corde, j'ai mis un isolant à tuyaux. Ça permet de tracter plus confortablement. Je la passe sur une épaule. Ça va très bien, tant pour la tirer que pour la laisser glisser. Donc, j'ai les raquettes sur le traîneau. Avec le sac de jour et le sac pour le refuge. Je suis vraiment satisfaite. C'est un traîneau Pélican. Pour le cas très rudimentaire, mais pour les fois que je vais m'en servir, c'est parfait.